lundi qu'on se retrouve pour une vidéo lookbook, try on, haul, Shein. Puisque comme vous pouvez le voir ici, j'ai reçu donc très rapidement, je pensais pas que ça allait arriver aussi rapidement, puisque dans la dernière vidéo je vous ai dit oui, j'espère que je vais recevoir donc la prochaine commande après l'accouchement pour pouvoir tout porter, et finalement c'est arrivé assez tôt, mais j'ai essayé de tout porter, j'ai un peu forcé, et bah écoutez, on va commencer les filles sans plus tarder, peut-être avec les pièces que je n'ai pas, que je ne vous ai pas montrées, hein, en introduction, mais je vais revenir de toute façon sur celle-ci. Alors je vais commencer d'abord avec ce haut ici que je porte, qui est franchement super joli, hyper léger. J'ai mis un sous-pull en dessous parce que vous voyez, il y a des, vous voyez, il y a des petits trous, donc du coup on voit un peu, mais sinon franchement il est magnifique, rien à dire. Une autre pièce que je voulais vous montrer, je vais vous la montrer ici, que je vous ai postée sur Instagram et vous avez été nombreuses à me demander d'où venait la jupe. C'est une jupe noire toute simple, voilà, il y a plein de couleurs, il y a plein d'autres couleurs. Franchement, c'est pas le genre de jupe que je porte habituellement. Mais là, étant donné que je suis enceinte et que je ne rentre pas dans grand chose, voilà, bah du coup, cette jupe, franchement, elle est juste parfaite. Après, voilà, c'est une jupe qui moule, qui prend vraiment bien les formes, on va dire. Hein, mais je la trouve hyper, hyper à l'aise. Hein, donc, je la porte avec ce haut, d'ailleurs, aujourd'hui. Alors, on va continuer avec une jupe que j'ai trop hâte de porter. Donc là, malheureusement, étant donné la taille... j'ai pas pu vous la montrer portée, mais c'est cette jupe noire comme ça qui se présente comme ceci, toute plissée, satinée. Je la trouve juste super belle. Alors, je vous ferai des looks hein, plus tard, certainement sur Instagram. Je vous invite à chaque fois à me suivre sur Instagram, Hasna Hijab Style. Hein, vous avez le lien en barre d'informations. Et donc, cette jupe, c'est plutôt la jupe que j'ai envie de porter, non pas pour une fête ou quoi, mais plutôt, vous voyez, avec un t-shirt tout simple, des petites baskets. Vous voyez, franchement, je la trouve juste trop belle. Alors, une autre jupe que j'ai trouvée trop jolie et pareil, que je ne peux pas vous montrer porter puisque la ceinture, elle est... Enfin, c'est pas la ceinture, hein, c'est mon ventre le problème. Mais je l'ai trouvée juste trop jolie. Vous voyez, ça fait très été. Après, peut-être, c'est vrai qu'en France, il commence à faire froid. Enfin, dans le Nord, ma soeur, c'est ce qu'elle me disait. Peut-être que chez vous, il fait encore bon. Mais ici, à Singapour, c'est vrai que c'est quelque chose que je pouvais porter tout le temps, toute l'année. Je la trouve juste super jolie, franchement. Sauf qu'elle est un tout petit peu transparente. Elle a un chouïa, vraiment un chouïa transparente. Mais sinon, j'ai trouvé les motifs vraiment super, super, super beaux. Un pantalon, coup de cœur. Franchement, il est trop beau. Vous voyez? J'ai pris une taille S, j'espère que je rentrerai dedans. Hein, mais je l'ai trouvé magnifique. Vraiment un pantalon très simple, hyper fluide, un peu style palazzo, vous voyez, mais plus classique, que j'ai juste trouvé vraiment trop beau. Alors un autre top, je vous ai montré la dernière fois un top en dentelle que j'avais pris et j'ai trop aimé, donc j'en ai repris un autre qui est différent. Vous voyez, celui-ci se présente comme ça. Vous verrez que sur le site internet, cette fois-ci, je retiens, puisque vous m'avez demandé de mettre les liens avec les noms des pièces, donc je ferai ça. Vous verrez qu'il y a plusieurs personnes qui le portent, plusieurs clientes, et il est trop beau. Il se ferme à l'arrière avec une fermeture éclair, donc malheureusement je ne rentre pas dedans non plus pour l'instant. Hein, et on continue avec un autre top que je trouve canon aussi. Donc c'est tous des tops que j'ai essayé, je rentre dedans, mais vous voyez, ça m'arrive au nombril, étant donné que mon ventre est assez gros. Hein, mais vous voyez, c'est un haut comme ça, fluide, blanc avec du doré, il est juste trop beau. Franchement, il est, je le trouve juste magnifique. Franchement, il est. Je pense que j'ai que des tops. Il me semble qu'il y a un petit flop, mais sinon, sur toutes les pièces, c'est quasiment un zéro faute. Alors, un autre haut que je trouve trop beau, d'ailleurs, je le porte dans l'une des vidéos que je vous aurais mis avant ou après, ou je sais pas quand. C'est ce haut qui est aussi trop beau. Tout simple comme ça, fluide. Franchement, il est magnifique. Il se ferme derrière avec des petits boutons. Rien à dire. Alors ça, c'est un haut que j'ai vu. Ça fait super longtemps que je me dis, il faut que je le prenne, il faut que je le prenne. Ouais, je trouve que ça fait très vacances. Et étant donné qu'ici à Singapour, en tout cas en Asie, c'est très vert et tout. Donc je me dis, ça en vacances, c'est super joli. Même sur les photos, ça ressort super, super bien. Donc voilà, c'est une petite chemise toute simple comme ça. Alors le truc, c'est que devant, elle est courte. Et à l'arrière, elle est hyper hyper longue, c'est transparent. Après, je vois très bien ça avec une robe, vous voyez, une robe toute simple comme celle que je vous ai postée sur Instagram. Vous avez aussi été nombreuses à me demander d'où elle venait. Elle vient d'un site malaisien, Poplook.
Mais je trouve franchement cette chemise super belle avec, vous voyez, un peu le style de robe un peu élastane, vous voyez. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Alors ça, c'est un petit flop dans le sens où... C'est pas un grand flop parce que j'ai pas pu rentrer vraiment dans le tissu, je vous avoue que j'aime pas trop. Après, j'ai craqué sur les photos des clientes. Il y avait pas mal de filles qui l'a porté, je l'ai trouvé vraiment très très belle. Mais là, avec mon ventre et tout, quand je l'ai porté, je me suis dit, ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça faisait vraiment pas joli et c'est vrai que le tissu, par rapport aux autres pièces, c'est le tissu le plus moche de cette commande. Ouais, il est hyper léger. Voilà, c'est vrai que pour les vacances ça peut être sympa, mais j'ai trouvé qu'il ne ressortait pas comme sur les photos. Alors on va terminer avec les 4 robes que je vous ai montrées donc, en introduction. Un coup de cœur, cette robe ici, bon elle ressort assez claire, hein, là, mais je la trouve trop trop belle, franchement je l'ai trouvée trop belle. Je sais pas, ça me fait penser à la mer, ça me fait penser aux vacances. Vous pouvez la porter simplement ou alors vous voyez avec, avec les épaules nues, elle est vraiment trop trop belle. Arrivée, comme d'habitude, ça ressemble à rien, mais une fois repassée, elle est juste magnifique. Alors, j'ai pris d'autres robes comme celle-ci aussi. Le truc, c'est que quand je vais en vacances, je trouve que le top du top, en tout cas ici, dans les pays qu'il y a autour et où il fait chaud, le top le plus simple, le plus léger, le moins casse-tête, ce sont les robes. Parce que voilà, c'est une pièce, vous mettez vos sous-vêtements en dessous, votre voile et basta. C'est vrai que quand... quand je porte un pantalon ou une jupe, il faut le pantalon, la jupe, le haut. Des fois, il faut le sous-pull parce que le pull, le haut, il est transparent, vous voyez. Et du coup, bah, ça prend de la place, mine de rien, dans la valise. Donc moi, je trouve que c'est hyper pratique. Ça ressort bien en plus au niveau des photos. Ça fait vraiment vacances. Et c'est surtout l'aspect pratique. Je trouve que c'est féminin et en même temps, c'est hyper simple à porter. Et voilà. Donc une autre robe que j'ai prise, ce que j'aime bien aussi dans ces robes-ci, c'est que c'est un tissu en coton, c'est assez frais, donc du coup, ben, vous êtes à l'aise dedans, vous êtes vraiment à l'aise. Alors, une autre robe que j'ai trop trop aimée, elle n'est pas aussi jaune, hein. Je sais pas, le réglage peut-être qu'il est... elle n'est pas aussi jaune, mais dommage que les manches sont courtes, donc si vous ne portez pas le voile, ou vous pouvez mettre ça avec comme ce que j'ai fait, vous voyez, avec un soupul en dessous, mais en général, j'aime pas mettre un soupul en dessous d'une robe, je préfère quand c'est longue manche, ou vous voyez, à la limite encore ici, ça va, mais là, c'est un chouïa un peu trop court, mais sinon, je la trouve vraiment trop jolie, je trouve que ça fait trop féminin avec des petites sandalettes, voilà, rien d'autre. Et alors, pour terminer, la dernière pièce... Si je n'ai rien oublié, il me semble que je vous ai tout montré. C'est cette robe. Ça me fait penser au Maroc. Vous voyez, ça fait un peu... Je sais pas. J'ai vraiment l'impression que ça fait un peu une robe marocaine. Après, j'imagine bien ça avec des petites sandalettes ou même avec une petite paire de baskets, vous voyez. Bon, là, avec le ventre, je vous avoue que... Je la trouve pas très 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 jolie parce que c'est un modèle qui se porte quand même assez large, vous voyez. Et le seul truc aussi, c'est que... Enfin, c'est toujours mon truc. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'élastique et faire des manches toutes simples. Vous voyez, des manches... voilà, des manches toutes simples comme ça. Et voilà, mais bon, c'est un petit détail. Mais sinon, elle est vraiment très bien. Le tissu est vraiment bien. Et je pense qu'on en a terminé avec Shein. Donc, comme je vous disais, on va dire que la pièce que j'ai le moins aimée... Voilà, vous avez vu? Pile, pile poil. Oui, attends ma chérie. C'est bon, Rania? Ok. Là. Merci. Voilà, conclusion. Donc, toutes les pièces, franchement, pour cette fois-ci, sont nickel. Excepté celle-ci, on va dire que j'aime beaucoup moi. Vous avez entendu Rania, elle a dit, elle est belle la robe. Mais bon, franchement, le tissu est pas terrible, quoi. Sincèrement, il est pas terrible du tout. Donc ça, c'est pas quelque chose que je recommanderais par rapport aux autres pièces. En tout cas, j'espère que cette vidéo, les filles, vous aura plu. Je vous fais sur ce de gros bisous et j'espère que la prochaine vidéo, Shein, j'espère que j'aurai accouché et que j'aurai mon bébé avec moi et que voilà, j'espère en tout cas que j'aurai accouché. Je vous fais de gros 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 bisous. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Snapchat, même si je snap pas trop en ce moment. Hasna B Snap, c'est très facile hein, à retenir. Sur Instagram, Hasna Hijab Style. Sur Facebook, je poste aussi sur Facebook. Sur le blog, vous verrez que le blog, je suis en train de travailler dessus, mais on va dire que ça sera plus un blog axé voyage. On verra, franchement on verra, mais je réfléchis encore un peu par rapport à tout ça. Et bien sûr sur YouTube, n'hésitez pas à commenter les filles. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.